Eh bien, bonsoir. Excusez-moi, je suis un petit peu speed parce qu'on vient d'avoir une inondation au sous-sol dans les réserves de bouquins, tout ça. Donc, mais ça y est, enfin, ça y est. Oui, en tout cas, j'ai coupé l'eau. Pour l'instant. Bienvenue à la librairie Violette & Co. Donc, pour cette soirée avec Diane Lamoureux, qui est arrivée hier du Québec. Qui repart demain en Belgique, présenter son livre, c'est ça? Ouais. Diane, qu'on avait déjà reçue ici pour Pensée Rebelle, que je connais depuis 40 ans, 50 ans, je ne sais plus. Donc je vais la tutoyer. Donc Diane Lamoureux est professeure de philosophie politique à l'Université Laval à Québec. Elle est aussi militante féministe, impliquée aussi dans les mouvements altermondialistes. Ces deux parcours, si on peut dire, se nourrissent l'un l'autre. Et ses recherches ont porté en grande partie sur Hannah Arendt et au rapport entre droit et politique, et sur Françoise Colin, entre autres. Hein. Je crois qu'on a fait beaucoup de choses en... Je ne sais plus, 40 ans de carrière. Oui, chose comme ça. Comme ça. Donc sur Françoise Colin, et c'est ainsi qu'elle a publié le livre Pensée rebelle sur le croisement de la pensée donc de Hannah Arendt, Françoise Colin et Rosa Luxembourg. Diane a publié plusieurs autres livres, entre autres Fragments et collages, essais sur le féminisme québécois. Les années 70, donc ça c'était en 1986, La mère patrie en 2001, Le trésor perdu de la politique en 2013. Elle a dirigé des ouvrages comme Les limites de l'identité sexuelle, paru en 98, et co-dirigé avec Francis, Dupuy-Déry, Les antiféministes, analyse d'un discours réactionnaire. Et bien sûr, elle a publié de nombreux articles, et ce livre, donc, Les possibles du féminisme, alors paru aux éditions du Remue-Ménage, qui est quand même, je crois, l'une des plus anciennes maisons d'édition féministe au monde, puisqu'elle fête leurs 40 ans cette année, qui publie des essais, de la fiction, un petit peu de jeunesse, depuis 40 ans... beaucoup de choses, et les équipes se sont renouvelées. Donc ce livre, Les possibles du féminisme, est un recueil d'articles parus dans différentes revues, féministes ou non d'ailleurs, entre 1991 et 2014. Ces articles ont été rassemblés pour à la fois faire un état du chemin parcouru par le féminisme depuis presque 50 ans, et pour réfléchir à ces enjeux actuels. Les exemples puisent principalement dans le contexte québécois, mais le livre est un véritable outil pour toutes et tous, clair et précis, pour évaluer sans complaisance où nous en sommes comme féministes et vers où nous pouvons ou nous voulons aller. Réfléchir aux mutations du féminisme ou, comme le dit le titre, au possible. Du féminisme. Quelle que soit la date de chaque article, l'ensemble des textes résonne de façon très actuelle à toutes sortes d'interrogations, qu'il s'agisse de la radicalité, du rapport à l'État, de l'intersectionnalité, des luttes pour les droits, du rapport théorie-pratique, etc., etc. Parce qu'il est vraiment... il touche à pratiquement tout. Je pense. Je pense pas, mais... à beaucoup, beaucoup de choses. Il faut laisser à d'autres aussi la possibilité de faire quelque chose. Alors, en bref, Diane Lamoureux nous invite à une réflexion profonde et indispensable sur la dimension politique du féminisme comme mouvement pour qu'il conserve sa radicalité dans un contexte à la fois néolibéral et néoconservateur. Qui est ce contexte d'ailleurs sur lequel tu travailles dans tes recherches aussi. Voilà, bon, en très bref, le résumé de la présentation de ce livre.
Alors, comme d'habitude, moi, je prépare des questions. Maintenant, si vous, vous avez des interventions, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient lu le livre, puisqu'il vient de paraître. Mais par rapport à ce qui va être dit, l'échange qu'on va avoir, de ce que Diane va dire, n'hésitez pas à intervenir. Alors, je n'ai pas parlé du... On va commencer comme ça, on va commencer assez fort, puisque je n'ai pas parlé du sous-titre « Agir sans nous », le « nous » entre guillemets. Alors, c'est un titre assez énigmatique, on va dire. Est-ce que tu pourrais justement expliquer ce sous-titre, ce « nous » en particulier ? Oui, alors, c'est un débat qu'il y a dans le féminisme depuis plusieurs années. Est-ce que... les femmes sont le sujet du féminisme, quelles femmes sont le sujet du féminisme, qu'est-ce qu'être une femme, etc. Et c'est une question sur laquelle j'avais été amenée à réfléchir d'abord par rapport à la publication de Gender Trouble en anglais, ça date de 90. Et comme il circulait un peu en anglais au Québec, on avait organisé un colloque en 98 autour des idées de Judith Butler et plus largement de la pensée queer, ce qui a donné l'ouvrage « Les limites de l'identité sexuelle ». Et là-dedans, j'en avais profité pour réfléchir sur, justement, est-ce qu'il y a un sujet du féminisme, c'est-à-dire un sujet sociologique, disons, qui rendrait le féminisme possible et qui serait le support social d'un mouvement féministe, ou si le sujet du féminisme se constitue dans l'action. Ça anticipait aussi un certain nombre de réflexions qui vont se faire connaître, qui existaient déjà dès les années 80 aux États-Unis, mais qui dans le milieu francophone vont plutôt émerger à partir du féminisme postcolonial, décolonial et les discussions autour de l'intersectionnalité. Et c'est de savoir si finalement il y avait un sujet du féminisme ou des sujets du féminisme qui avaient leur propre porte d'entrée dans le féminisme à partir de leur situation sociale concrète qui était évidemment différente. Et quand on a réfléchi un peu autour de ça, on s'est dit que finalement ce bouquin-là, il insistait beaucoup sur le fait que le « nous » n'est jamais... donner une fois pour toutes, le nous se construit à travers l'activité de réflexion et l'activité pratique, l'activité de transformation sociale au nom du féminisme. Donc, après, on peut faire, on peut complexifier la chose, on peut faire la différence entre le sujet ontologique, le sujet sociologique et le sujet politique. Moi, je m'intéresse au sujet politique. Je peux avoir quelques réflexions sur les sujets ontologiques et sur les sujets sociologiques, mais de façon générale, ma façon de penser l'action politique, largement inspirée d'Anna Arendt, un peu de Françoise Colin, disons, là-dessous, c'est que c'est dans l'action politique que les sujets sociaux ou les sujets politiques se constituent. Et donc, il n'y a pas de sujet qui existe avant leur mise en action collective. Mais pourquoi le « sans nous » alors? C'est pour dire que le « nous » se crée dans l'action et non pas antérieurement à l'action. C'est-à-dire qu'on peut agir et qu'en agissant, on fait un « nous » qui est fragile, qui est précaire, comme n'importe quelle action ou n'importe quel mouvement. Mais ce n'est pas une condition de l'action. Alors, tu fais souvent référence à Françoise Colin dans ce livre, et en particulier, tu cites une phrase plusieurs fois qu'elle a écrite. « Je suis une femme, mais je n'ai pas une femme. » Et aussi, tu fais référence à ce qu'elle appelle le « différent ». Avec un D, avec un T. Donc, est-ce que ça rejoint aussi la question du nous, le je n'ai pas une femme.
je pense que c'est un peu différent. Il me semble que c'est, cette phrase de Colin, elle est un complément indispensable au « on ne naît pas femme, on ne devient » de Simone de Beauvoir. Et ce que, bon, je ne sais pas jusqu'à quel point ces débats-là ont été centraux en France, mais au Québec, on a beaucoup discuté à partir des années, au milieu des années 80, donc à l'ère néolibérale, si on veut, des identités. Mm-hmm. Bon, il y a d'abord l'identité nationale québécoise, et puis toutes les autres identités qui viennent d'une façon ou d'une autre. Et il me semble que ce que veut dire Colin, c'est que un être humain est toujours en excès par rapport à ses identifications sociales ou ses étiquettes, les étiquettes sociologiques qu'on peut mettre comme femme, blanche, universitaire, vous pouvez en mettre autant que vous voulez parce qu'on a toutes sortes de localisations dans le social, et que on ne peut pas réduire une personne à une identité ou à une identification. Il y a toujours du multiple. Ça, c'est, et ça, je pense que c'est assez important pour réfléchir aussi à comment militer dans la durée en se déplaçant éventuellement sur les terrains militants, mais en n'étant pas nécessairement identifié à un enjeu qui devient la cause et auquel on sacrifie des individus. Toujours penser dans le militantisme que l'objet de l'émancipation, c'est de faire émerger des possibles individuels et de multiplier les possibilités pour les individus plutôt que de les enfermer dans un moule déjà tout construit. L'autre truc bon, auquel tu faisais référence, le différent des sexes, chez Colin, ça fait référence justement à la politisation des rapports de sexe. C'est-à-dire comment ces rapports-là sont des rapports qui ne doivent pas être pensés uniquement comme des identités sexuelles ou des identités sexuées, mais doivent être entrevus comme des moments de tension, quoi. C'est-à-dire comme créant une conflictualité politique et sociale qui doit être travaillée à travers la réflexion et à travers l'action politique. Ben, j'estime ne pas la trahir comme ça. Elle aurait peut-être une autre explication du différent des sexes, mais en fait, moi, c'est l'explication que j'ai trouvée utile. Et elle n'est plus là pour me contredire, ce qui est pratique quand même. Maintenant, je peux l'interpréter sans problème. Bon, c'est triste qu'elle soit plus là par ailleurs. Bon. Alors, pour continuer sur cette question de militance féministe, dans plusieurs articles, mais dans un en particulier, je ne sais plus le titre, tu fais la distinction entre féminisme et mouvement des femmes. Et où il me semble que tu dis qu'il y a à la fois cohabitation, mais qu'il y a eu aussi un glissement du féminisme vers un mouvement des femmes, ou en tout cas vers une gestion de la question des femmes. Ouais. Donc, parce qu'il y a une partie un peu, on va dire, des éléments historiques que tu racontes aussi, mais avec une analyse de qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Oui, alors ça c'est un langage qui est plutôt québécois que français, parce que ici le MLF s'appelait Mouvement des femmes, bon, Mouvement de libération des femmes, et donc c'est pas transposable. Un petit peu quand même dans ces... Oui, oui, non, mais il y a des choses qui sont semblables, mais peut-être sur le plan terminologique, il faut traduire en France, quoi. La raison pour laquelle... enfin, mais ce que je veux dire par là, c'est que
le féminisme a permis de politiser, si on veut, et de transformer en enjeu politique ce qu'on pourrait appeler soit le différent des sexes si on suit Colin, soit les rapports sociaux de sexe si on prend la terminologie qui a été la plus répandue ici. Bon. Ce faisant, le féminisme a rendu possible plusieurs choses. J'étais en Haïti la semaine dernière et on a eu une grande discussion sur le mouvement des femmes, le mouvement féministe. C'était assez amusant parce que c'était dans un panel sur l'antiféminisme. Mais ce qui était intéressant de voir là-dedans, c'est, je pense qu'il y a deux éléments. Un premier élément, c'est que en faisant émerger, disons, l'existence des rapports sociaux de sexe comme injustice structurante des sociétés contemporaines, si on veut, le féminisme a aussi permis que des femmes qui ne se définissent pas nécessairement comme féministes, mais qui peuvent s'identifier comme des femmes agricultrices ou des femmes entrepreneurs, ou de se regrouper et de ne pas remettre en question l'ensemble des rapports sociaux comme les féministes ont fait et continuent de le faire, mais de remettre en question les injustices auxquelles elles sont confrontées, mettons professionnellement, avoir accès à du crédit et tout ça. Donc certaines deviennent féministes à se heurter aux résistances, mais ces mouvements-là sont des mouvements constitués par des femmes, mais ne sont pas nécessairement des mouvements féministes. Bon. Il y a aussi, dans le féminisme, et là, ce n'est pas pour attaquer personne, mais c'est qu'il y a eu une tendance, bon, au Québec, on appelle ça beaucoup les groupes de services, mais il y a eu une tendance, si on veut, à... les groupes de services, ça sert à quelque chose, ça permet de régler des situations... Bon, je veux dire, des maisons d'hébergement pour femmes battues, ça ne règle pas le problème de la violence domestique, mais ça fournit une option réelle pour des femmes qui sont confrontées et ça fournit une option maintenant pour des femmes qui sont confrontées à des problèmes de violence domestique. Donc, ce n'est pas pour cracher dans la soupe et dire c'est mauvais, mais c'est vrai qu'à ne faire que du refuge pour femmes battues, oui, on donne du répit à certaines, mais on oublie, si on veut, ceux qui causent le phénomène de la violence domestique. Et donc, il peut y avoir une tendance aussi à faire des groupes de femmes. Et bon, ça, c'est quelque chose qui s'est peu pratiqué en France, mais qui s'est beaucoup pratiqué au Québec, des espèces de concertations sociales. La voix des syndicats, la voix des groupes communautaires, la voix des cadres du secteur public, la voix des agriculteurs et la voix des femmes. Bon, et on fait, et comme si tous ces acteurs-là étaient sur un pied d'égalité sur le plan social, on les ramasse dans une pièce et on leur fait gérer, par exemple, le développement régional ou d'autres trucs du genre. Donc, il y a eu une tendance, disons, présente dans le mouvement des femmes à gérer à la fois la situation des femmes dans la société actuelle qui reste une société sexiste, et d'autre part à s'ériger en représentante autorisée des femmes auprès des pouvoirs publics. Mm-hmm. Et c'est ce que j'appelle le mouvement des femmes. Souvent, les postures qui sont adoptées dans ce travail de représentation sont des postures féministes, mais mais pas toujours, et ce qui met aussi les pouvoirs publics quand ils ne veulent plus rien faire. Chez nous, bon, durant tout un temps, on a pu avoir ce que j'ai appelé une collaboration, une association polémique entre le mouvement des femmes et l'appareil d'État, parce qu'il y avait une volonté dans l'appareil d'État de réforme sociale, jusqu'au fin des années 80, grosso modo. Et après, ce qu'on a eu, ça a été le gender mainstreaming, qui est
encore pire, je dirais, qui est la gestion des femmes sans remettre en question la nature sexiste de la société. C'est accommoder les femmes dans une société qui est à la fois sexiste, capitaliste, raciste, hétérosexiste, agiste. On peut en rajouter à l'infini. Ce que font les Nations Unies aussi. Ben oui, parce que grosso modo, l'agenda du gender mainstreaming, il émane des Nations Unies. C'est l'insertion des femmes dans les structures sociales telles qu'elles existent. Alors que, selon moi, ce qui fait la radicalité du féminisme, c'est de dire que pour que la situation des femmes change durablement, il faut changer aussi les structures sociales et pas uniquement mettre quelques femmes à l'Assemblée nationale ou au Conseil du patronat. En même temps, je veux dire, tant que des institutions comme l'Assemblée nationale, le Conseil du patronat ou les CA des entreprises existent, mieux vaut qu'il n'y ait pas que des hommes à leur tête. Mais alors, tu soulignes aussi plusieurs... quand tu parles justement de ce glissement d'une radicalité du féminisme à une gestion, disons, la question des femmes par les groupes de femmes, en fait, aussi. Donc, tu soulignes plusieurs... plusieurs conséquences. D'abord, bon, de plus en plus une dépendance d'un financement par des gouvernements. La militante se retrouve aussi employée, une dépendance par rapport à l'emploi. Et la gestion, ce que tu as dit un peu, la gestion des politiques de l'État, ou ce que tu appelles l'intégration subalterne, je crois. Ouais. Et que les groupes de femmes, finalement, viennent à agir comme des syndicats aussi. C'est ce que je disais, la représentation de la catégorie femme auprès des pouvoirs publics. Et tu soulignes aussi donc, l'expertise féministe qui est intégrée à l'appareil d'État, ce que tu viens de dire. Et cette dépendance en fait au financement à plusieurs niveaux et cette dépendance aux politiques d'État finalement, c'est ce qui, je veux dire, c'est poursuivi en fait ces années, c'est poursuivi mais avec de plus en plus de précarité aussi. Oui, on peut faire une périodisation en deux temps, je dirais grosso modo 1970, 89 pour le Québec. Bon, les dates peuvent varier selon les pays. Après 89, même à certains égards, ça s'est poursuivi chez nous jusqu'en 1995, parce que comme il y avait un parti nationaliste qui voulait gagner son référendum sur l'indépendance du Québec et qui avait besoin du soutien des mouvements sociaux pour ce faire, bon, ça s'est pas fait, mais c'est quand même passé un chouïa. La dureté des politiques néolibérales, on les a eues qu'après le référendum de 1995. Donc, ça se préparait, il y avait toute une série de mécanismes qui se mettaient en place, mais dans le social, ça s'est vraiment fait sentir à partir de 1995. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la première période, il se passe ce que des sociologues des mouvements sociaux ont appelé le triangle de velours, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'appareil d'État, il y a une volonté réelle de transformation législative, de mise en place de programmes sociaux, etc. Enfin, il y a certains secteurs de l'appareil d'État qui prônent ça. Il y a quand même une certaine expertise, que ce soit dans les médias, dans les universités, qui pousse dans le même sens. Et il y a un mouvement, une mobilisation politique pour des transformations législatives importantes. Bon. Et comme ces trois secteurs sociaux vont dans le même sens, ça donne des transformations législatives importantes ça donne aussi
Et ça, c'est plus particulier au Québec, je pense que vous avez beaucoup moins ça en France, c'est un financement étatique et même, il y a eu une politique dans les années 90 de reconnaissance de l'action communautaire autonome, ce qui peut paraître un peu paradoxal, c'est-à-dire que l'État reconnaît les groupements associatifs, que ce soit d'éducation populaire, de soutien aux locataires, les groupes de femmes, les groupes de défense des droits, comme groupements d'utilité publique, si on veut, et consent à accorder un financement qui n'est pas lié à la dispensation de services en particulier, qui sont des, mais à accorder un financement de base et en fait à accorder un financement pour un fonctionnement de la société civile comme contrepoids à l'action étatique. Donc, dans la première période, il y a donc eu quand même pas mal de fric qui a été mis dans les groupes de femmes et dans d'autres groupes communautaires. Et bon, c'est évidemment, c'est pas... concrètement, ça ne fait pas des groupes très riches, je veux dire. Mais il y a quand même eu une portion de, si on veut, du service public qui était assumé non pas par des acteurs identiques, mais par des acteurs qu'on dit communautaires au Québec. Et les groupes de femmes sont entrés dans cette logique-là, ce qui fait que, bon... Dans les groupes de femmes, ça a eu deux conséquences. La première conséquence, la plus évidente, ça a été la salarisation du militantisme, si on veut. Bon, ça a permis à des femmes d'avoir un boulot. Bon, je ne vais pas non plus cracher sur elles, parce que concrètement, comme prof d'université, j'ai un meilleur statut et un meilleur salaire. Donc, je ne vais pas leur jeter la serviette. C'est de peu de reconnaissance sociale et c'est de peu de reconnaissance financière les boulots qu'il y a là, mais ça a quand même permis à plusieurs donc, de transformer, si on veut, leur militantisme en boulot avec les conséquences que ça a à tous égards. Et aussi, ça fait en sorte que l'État s'est reposé sur le communautaire pour dispenser une partie des services qu'il ne voulait pas étatiser. Dans le mouvement des femmes, c'est très clair en ce qui concerne les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences, les centres de lutte contre les agressions sexuelles, les centres de femmes, les groupes d'insertion en emploi, des trucs comme ça. C'est-à-dire que l'État donnait un financement, quand même dans la précarité, parce que ça, c'était pas un financement de base, c'est un financement au service rendu, si on veut, et donc avec des transformations dans les services quand les services, les priorités de l'État variaient. Et c'est à la période, si on veut, de l'État-providence, ça fonctionnait comme ça. La période néolibérale, c'est une autre histoire. D'abord, malgré la politique de reconnaissance de l'action communautaire autonome, tous les groupes, on pourrait appeler dérangeants, c'est-à-dire tous les groupes où tout le travail de défense des droits de certains groupes, donc le travail de mobilisation de la société pour lutter contre les politiques d'austérité néolibérale, ont perdu leur financement. Ça s'est fait plus vite sur le plan fédéral parce qu'on a eu plutôt des politiques néolibérales sur le plan fédéral et ça s'est fait plus lentement sur le plan provincial, c'est-à-dire à partir du milieu des années 90. Et là, l'espèce de reconnaissance des groupes comme groupes d'utilité publique, ça a donné lieu à ce qu'on pourrait appeler des PPP, les partenariats publics-privés du néolibéralisme, mais des PPP sociaux où là, les groupes communautaires, les groupes de femmes aussi, se trouvent de plus en plus dans une logique de sous-traitance par rapport aux services publics. Et qui dit sous-traitance dit précarité évidemment des personnels, précarité des financements, mais par contre,
contrôle, bon, dans les politiques néolibérales, un élément fondamental, c'est l'élément de l'évaluation des résultats, et donc à passer un temps fou à justifier des petites grenailles qui leur sont fournies, tout en devant faire de plus en plus comme le service public de l'État néolibéral fait, c'est-à-dire en considérant non pas les personnes, mais les problèmes. Donc, on se spécialise dans les femmes battues ou dans les femmes qui ne trouvent pas chômeuses ou dans les femmes dans les emplois non traditionnels. En segmentant donc les personnes en problèmes sociaux, on appelle les problématiques chez nous, mais bon, c'est... Comme prof, je suis toujours étonnée. Ensuite, je me surprends jamais que mes étudiants ignorent ce qui est une problématique pour une thèse. Mais à force d'entendre problématique pour n'importe quel problème social, mais aussi en transformant les gens en personnes problématiques sur le plan social. Quoi. Ça place. Les groupes essaient de résister et de ruser au maximum sur la question de l'évaluation. Dans notre équipe de recherche, on travaille justement sur comment outiller les groupes pour faire en sorte qu'ils puissent résister au maximum à ces procédés d'évaluation. Mais là, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler le dumping d'une certaine partie du social à l'ère de l'État-providence ou à l'associatif. Quoi. L'associatif, dans le sens... De ce qu'on appelle chez nous les groupes communautaires. D'accord. Qui finance ces projets et tout ça? En grande partie, l'État, par biais de financement par projet, et en partie... les cotisations des membres ou les organismes de charité. Et le sous-financement, les campagnes de financement. Je pose cette question parce que ici, le partenariat public-privé, c'est effectivement l'État et c'est surtout le privé. Et c'est les multinationales qui financent. Oui, mais je fais une allusion. Il y a les partenariats publics-privés, mettons, pour construire un hôpital, oui, pour construire un pont. Ça, en fait, techniquement, ça finit toujours par être l'État qui finance plus que les multinationales, mais on peut dire que ça, c'est du financement qui est accordé avec peu de règles contraignantes pour le privé, beaucoup de règles contraignantes pour l'État. Qui éponge les pertes et le privé qui empoche les profits. Mais avec le communautaire, c'est le même principe, mais avec le communautaire qui prend les coûts et l'État qui finance vraiment des grenailles. Quoi. Et qui surtout veut contrôler l'activité des groupes. Alors, qui se sert de ces partenariats sociaux pour diminuer le financement à toute la question de la défense de droits et donc de revendications sociopolitiques et mettre l'accent sur la dispensation des services. Mais la dispensation des services, non pas comme le communautaire l'a toujours fait, c'est-à-dire... dans un souci d'émancipation sociale, mais dans un souci de mettre un pansement sur les problèmes publics pour qu'ils soient plus visibles. Quoi. C'est aussi du contrôle social. Oh, c'est beaucoup du contrôle social. À cause de l'évaluation. Oui. Et du financement par projet. Donc, en fait, c'est l'État qui contrôle un peu, d'abord, sur quoi interviennent les groupes et la manière dont ils pourront intervenir. Et là, l'enjeu actuel, c'est évidemment comment ruser avec ces évaluations. Quoi. En fait, ce que tu dis, c'est quand tu insistes sur la distinction entre objet de politique et sujet politique. Là, on glisse de sujet politique
objet de politique. Oui, oui, bon. C'est les politiques qui se font sans consulter les personnes concernées, évidemment, et sans penser, en les considérant comme des victimes qui ont besoin de soins, si on veut, plutôt qu'en les considérant comme des acteurs ou des actrices politiques susceptibles de transformer leurs conditions d'existence. Alors, il y a une autre dimension que tu abordes souvent dans ton livre aussi, c'est... que tu insistes sur la construction de solidarité et constates aussi le fonctionnement en coalition plutôt qu'une unification et ce qui s'est transformé aussi peut-être depuis les années 70, c'est-à-dire ce que tu as dit un peu au début, c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler de catégorie femme et puis... Voilà, tu insistes sur cette question de solidarité et qu'il n'y a pas une... Enfin, il n'y a pas la femme, évidemment, ça on le sait, mais même les femmes... Il n'y a pas une condition féminine. Voilà. Bon, oui, ça j'insiste beaucoup là-dessus, parce que, à partir du moment où on dit y a des situations sociales des femmes qui sont éclatées, la situation d'une prof d'université, et il y a toujours de la discrimination, mais la situation d'une prof d'université n'est certainement pas la même que la situation d'une femme immigrée qui travaille dans une usine de misère ou qui a un statut illégal sur le territoire. Bon, donc, il y a des différences et donc ça impose d'une part, de ne pas prendre pour acquis que parce qu'on est des femmes, on peut travailler ensemble, qu'on poursuit les mêmes intérêts, etc. Et donc, de discuter sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et jusqu'où on peut travailler ensemble. Et donc, de prendre le temps de réfléchir à des moyens de se coaliser, mais aussi de se rendre compte que il n'y a pas quelque chose d'automatique là-dedans. C'est un travail de longue haleine de construire des solidarités ça implique de ne pas passer par-dessus les différences, mais de les prendre en compte dans l'élaboration des revendications, etc. Et surtout de faire en sorte que... C'est comme le mariage de nos jours, c'est pas pour la vie, quoi. Les solidarités valent pour un temps, et ça permet de cheminer pour un temps, ça permet de construire des liens de confiance qui rendent possible peut-être d'autres coalitions à d'autres moments, mais ça fait un mouvement plus éclaté sur le plan formel, en même temps plus solide, parce que ce qu'on fait ensemble, on en a discuté et on peut aller assez loin, le plus loin possible sur ce qu'on peut faire ensemble, mais en sachant que sur un autre enjeu, on va peut-être travailler avec d'autres forces sociales, et puis en soi, c'est pas un défaut, quoi. Ça enrichit. Et ça permet aussi des entrées en dialogue, c'est-à-dire que, c'est pas automatique, mais ça permet que, quelquefois, des mouvements, c'est une expérience que j'ai eue dans le mouvement intermondialiste, mais ça peut exister ailleurs, je pense, que des mouvements qui n'avaient pas d'emblée considéré les rapports sociaux de sexe ou qui les avaient peu problématisés comme le mouvement intermondialiste commencent à s'en soucier un peu plus et à voir, il faut au moins le mettre dans le discours. Ça peut paraître
aller de soi, mais ça ne va pas de soi, ça prend beaucoup de réunions pour que ça soit mis dans le discours. Et à force de le mettre dans le discours, ça finit par faire quelques petites connexions de neurones et à faire en sorte que dans les pratiques, on essaie d'en tenir un peu compte. Quoi. Il me semble que là, ça élargit le noyau des possibles. Ça permet de faire des coalitions qui ne sont pas que des coalitions féministes, mais sur des enjeux qui concernent, si on veut, l'émancipation de certaines femmes dans certaines circonstances. Par exemple, sur l'équité salariale, on a beaucoup travaillé avec les syndicats. À un moment donné, c'est les syndicats carrément qui ont pris en charge le dossier. Ça fait comme la parité chez vous, quand ça a été repris par les partis politiques, ça a un peu perdu de son mordant. C'est aussi utile de pouvoir fonctionner en coalition qui ne sont pas que des coalitions de femmes, mais qui sont des coalitions principielles, c'est-à-dire qu'on prend le temps de discuter. Il y a toute une coalition auquel participent beaucoup de groupes de femmes contre la privatisation et la tarification des services publics. Mais il n'y a pas que des groupes de femmes là-dedans. Mais les enjeux... mais par contre, cette coalition a toujours un double porte-parole féminin-masculin, même si elle est composée en fait en grande majorité de femmes, et elle a un discours qui inclut toujours dans toutes ses interventions publiques les conséquences pour diverses catégories de femmes des politiques d'austérité et des politiques de tarification des services publics. Mais est-ce que, alors tu as un chapitre qui s'appelle « Y a-t-il une troisième vague féministe ?» Est-ce que cette... c'est une question, je pense, à laquelle, si je ne me trompe pas, tu réponds oui et non. plutôt non. J'ai relevé quand même quelques... Mais ça, c'est... Est-ce que ça serait quelque chose qui, justement, qui serait plus présent comme préoccupation, du moins, dans cette... troisième vague, entre guillemets, on va dire, ou cette nouvelle deuxième vague, je ne sais pas, enfin, du féminisme. Je pense que ce qui est présent maintenant et qui n'est pas propre à ce qu'on peut appeler, des personnes qui sont arrivées au féminisme, dans les années 90-2000, qui est le moment où on a 2010 même. Disons postérieurement aux années 90, qui est le moment où on a commencé à parler aux États-Unis de troisième vague féministe. Il me semble que la différence, dans les années 70, on savait que toutes les femmes n'étaient pas logées à la même enseigne, c'est évident. Ça ne demande pas une analyse sociologique très élaborée pour savoir ça, pour se constater ça. Disons que la solidarité entre les femmes prenait le pas sur cette idée des différences entre les femmes. À partir des années 90, l'idée que ces différences entre les femmes doivent être pensées par le mouvement féministe, travaillées et intégrées dans son action pour que ça devienne plus inclusif et que ça parle à autre chose que la femme qui est toujours la femme des catégories sociales privilégiées sur d'autres aspects en général. Ça fait en sorte, et c'est pour ça que je réponds à la fois oui et non, c'est-à-dire que il y a eu du féminisme, lutte des classes dans les années 70, oui, il y a eu du travail fait auprès des femmes immigrantes dans des banlieues. Je me rappelle même qu'il y avait une exposition ici sur le collectif des femmes féministes de banlieue et tout ça. Donc, c'est pas que ces thématiques-là n'étaient pas présentes, mais je dirais... ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est qu'elles sont devenues plus au centre des préoccupations qu'à la marge des préoccupations. Et ce passage, je peux faire un peu de millage sur le titre de l'ouvrage de Bell Hooks, qui n'est pas celui qui a été traduit récemment,
mais qui mériterait d'être traduit aussi, qui s'appelle From Margins to Center. Cette espèce d'accentuation ben, ça change quelque chose à l'intérieur du féminisme. C'est pas que ça veut pas dire que le féminisme, disons des années 70, était le mauvais féminisme et que celui des années 90 ou 2000 est le bon féminisme. Ça veut dire que le féminisme, bon, s'il veut continuer à exister comme mouvement radical, il doit tenir compte. La radicalité des années 70 n'est pas la même que la radicalité de 2016. Et si on veut continuer à être un mouvement radical, il faut voir où se situent les zones exploitables de conflictualité, de confrontation radicale avec ce qu'on pourrait appeler, bon, j'ai passé beaucoup de temps à traduire Patricia Hill Collins dans la dernière année. Ça va sortir. Il était venu ici d'ailleurs aussi. Donc, vous pourrez lire en français Black Feminist Scott prochainement, parce que ça va apparaître en septembre aux éditions du Remue Ménage. Mais ce qu'elle appelle, si on veut, la matrice de la domination, c'est-à-dire, c'est l'idée qu'il y a plusieurs enjeux, plusieurs qui constituent des formes diverses de domination sociale, mais qui façonnent les possibilités de lutte des individus qui veulent lutter contre la domination sociale. Et donc, si on veut que notre féminisme reste radical, il faut tenir compte de l'ensemble de cette matrice de domination sociale plutôt que de tenir compte, bon, c'est déjà énorme de tenir compte des rapports sociaux de sexe, mais ça me semble plus suffisant. Surtout dans le monde occidental, où on est confronté finalement à deux discours. Le discours que l'égalité, il n'y a plus d'enjeu, le féminisme n'a plus de raison d'être parce que l'égalité entre les hommes et les femmes, elle existe déjà. Et en plus, on est confronté à une instrumentalisation raciste du discours de l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui. Il y avait des interventions. Je voudrais vérifier si, pour vous, le fait de mobiliser le concept d'intersectionnalité, de celui de consubstantialité des rapports sociaux ou de matrice des dominations, c'est équivalent. Je sais que je pense que c'est semblable et c'est lié à des histoires particulières. Bon, je pense que Kerguelen, quand elle a commencé à parler de consubstantialité des rapports sociaux, c'était pour analyser l'articulation du genre et de la classe, et comment ça structurait les rapports sociaux. Et elle a ajouté récemment la race, et ça ne change pas, grosso modo, son analyse. C'est-à-dire la façon de penser que des rapports sociaux d'injustice, d'inégalité, de domination, d'oppression, en fait, je veux dire, on peut mettre plusieurs termes, coexistent dans une même formation sociale et se structurent mutuellement. Bon. L'idée de l'intersectionnalité, elle est plus liée, je pense, à l'expérience états-unienne, c'est de là que ça vient de toute façon, et il me semble que dans un premier temps, ce que voulait faire Crenshaw, c'était de voir, bon, c'était un problème assez pratique, hein. C'était comment moi, en tant que juriste féministe, quand je suis confrontée à un problème, qu'est-ce que je peux invoquer selon la loi lorsque j'ai à la fois quelque chose qui est de façon évidente à la fois sexiste et raciste. Et comment la structure actuelle des programmes d'action positive aux États-Unis m'oblige à choisir entre le sexe et la race, et ça ne rend pas compte des situations concrètes vécues par des personnes qui sont à la fois, si on veut, sexisées et racisées. Et donc, je pense que c'est des façons, c'est des portes d'entrée différentes
Oui, pour, et bon, Patricia L. Collins utilise moins intersectionnalité, quoi qu'elle voit publier un reader sur l'intersectionnalité qui devrait sortir, je pense, en juin, mais en anglais. Mais elle utilise le terme de matrice de domination pour dire qu'il y a plusieurs rapports sociaux qui interviennent simultanément pour construire le pouvoir, entre guillemets, et pour construire des sujets assujettis au sens foucauldien du terme. Donc, mais il me semble que moi je ne suis pas très forte sur les étiquettes, entre guillemets, c'est-à-dire que peu importe la façon dont on choisit de nommer les choses, c'est lié à des traditions militantes, à des traditions intellectuelles et tout ça. Si on s'entend sur ce qu'il faut combattre et sur les moyens par lesquels les combattre, je ne tiendrai pas à une terminologie plutôt qu'à une autre. Et je peux me promener selon les contextes. Et, bon, comme, bon, au Québec, maintenant, on a repris intersectionnalité, donc j'utilise intersectionnalité plus au Québec. Ici, ça prend plus ou moins. Bon, donc, je ne sais pas trop quoi utiliser. Si on parle aussi pendant l'intersectionnalité, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Oui. Oui, par rapport à cet article sur la troisième vague, je me demandais comment vous déplacez le transféminisme par rapport à cette troisième vague. Quoi? Le transféminisme. Bon, la question des vagues, c'était, à mon avis, une façon commode, mais finalement peu utile. Bon, enfin, oui, la question de la vague, comme la vague, c'est mouvant, ça fait, bon, on peut qualifier. Alors, bon, première vague, ça va, distinguer première et deuxième vague, ça va bien, il y a une, sinon deux générations selon les pays, donc ça pose pas trop de problèmes. Deuxième, troisième, ça chevauche pas mal. Il me semble que la question du trans fait ressortir un autre enjeu qui n'est ni un enjeu de la deuxième vague, ni un enjeu de la troisième vague, c'est-à-dire que on ne peut pas parler en termes d'identité sexuelle. C'est-à-dire qu'on ne doit pas considérer les identités comme quelque chose qui est donné une fois pour toutes et qui est fixe, mais qui peut s'avérer beaucoup plus mouvant. Et donc, de ce point de vue-là, moi je trouve que ça renforce mon idée que le nous du féminisme se construit dans l'action et ne repose pas sur un substrat sociologique homogène qui justifierait l'existence du féminisme. Bon, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ce serait ma façon de le problématiser. D'ailleurs, tu reviens aussi un peu sur... bon, on ne va pas forcément parler, développer beaucoup ici, mais sur les questions d'essentialisme, ou peut-être plus de... Tu parles de l'injonction de choisir entre égalité et différence. Bon, je m'éloigne un petit peu, mais et il me semble que justement tu déplaces le point de vue pour sortir de cette injonction. Oui. Si tu peux... ouais, c'est-à-dire que bon, c'est quelque chose qui a existé de façon assez forte en France, l'existence d'un féminisme différentialiste et l'existence d'un féminisme qu'on pourrait appeler... il y a eu plusieurs étiquettes égalitaristes, universalistes, il y a même eu matérialiste comme étiquette. Bon, il me semble que... alors, on restait dans le... On était très limité. Dans le féminisme égalitariste, on était dans l'ordre du 1. Ce que vous
connaissez bien en France, vous avez eu le suffrage universel qui est distribué à la moitié de l'humanité, mais vous avez tout appris, je suppose, que le suffrage universel date de 1848, et vous avez appris dans un autre registre et beaucoup plus tardivement que les femmes avaient eu le droit de vote uniquement en 1944 ici. Bon. On a le registre du 1, le registre du 2, et moi je suis plutôt dans le registre du plusieurs. C'est-à-dire que, réfléchir en unitaire ou en binaire, ça fait un monde qui est plutôt monotone, quoi. Ça c'est mon côté, peut-être l'influence d'Anna Arendt, je tiens beaucoup à la notion de pluralité et ça m'a amené assez précocement, je pense, à réfléchir en termes du plusieurs plutôt que de me contenter du un ou du deux. Bon, c'est aussi une influence de Françoise Colin qui réfléchissait dans ces termes-là aussi. Oui, ici encore, concernant justement cette question de pluralité, qui c'est vraiment une question informative, mais qui a parlé de pluriversalisme? Moi, je l'ai vu chez Colin, un texte, mais c'est un texte japonais qui a été publié en japonais en 2000, mais moi j'ai la version française qu'elle m'avait refilée. Je l'ai repris à mon compte, en indiquant d'où je l'avais piqué, évidemment. Je ne sais pas si... j'ai vu que ça commençait à se discuter... j'ai vu dans un autre registre, pas dans le registre féministe, mais par rapport dans les études décoloniales, dans la pensée postcoloniale, si on veut, pour justement contester... le monopole européen de l'universalisme et donc il me semble de l'avoir vu chez Chakravarti je ne serais pas sûre que je l'ai vu là ou si et je sais que ça a été utilisé aussi par Boaventura de Sousa Santos qui est un Brésilien beaucoup d'éducation. Et donc, ça me semble intéressant, l'idée de pluriversalisme, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que ça ne pose pas le 1 comme but ultime de la lutte contre les injustices. Aussi, ça reconnaît la pluralité des points d'entrée dans ces luttes contre l'injustice. Ce que tu disais, peut-être ça rejoint ce que tu viens de dire, là, quand tu parles d'enjeu collectif et d'individuation, non? Oui. Non, pas vraiment. Mais c'est vrai que j'ai toujours pensé que les mouvements sociaux de lutte contre l'injustice, qui produisent aussi une catégorisation des personnes, ont toujours une dimension... à la fois de lutte contre les injustices, donc qui se situe à un niveau macro-social, si on veut, de s'attaquer au système inégalitaire, et qui se situe à un niveau micro-social, c'est-à-dire de produire des individus dans leur unicité, bon ça aussi c'est un terme assez arendtien, dans leur unicité, et ça rejoint un peu la citation que tu évoquais de Colin, « Je suis une femme, mais je n'ai pas une femme ». C'est-à-dire qu'on produit à la fois un travail de réduction des injustices sociales et un travail qui crée, elles ne sont pas disparues, mais elles se sont transformées, qui crée des espaces pour l'émergence d'individus qui n'ont pas à renier leur individualité pour adhérer à un projet collectif. Si on veut. Il y avait Sylvia qui avait une question tout à l'heure.
Non, l'universalisme, il me semble que c'est aussi dans les différents des sexes. Que l'on parle aussi dans les différents des sexes. C'est, ah, c'est possible. Ouais. Ouais. C'était la même époque. Et en général, sa façon de travailler, c'est qu'elle se promenait entre divers textes et elle en prenait un bout de l'un et le remettait dans l'autre. C'était une des rares choses qu'elle savait faire à l'ordinateur. Le couper-coller. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions ? Alors, je pourrais faire un petit mot oui, pour expliquer, parce que tu n'en as pas fait état. En fait, la raison pour laquelle j'ai regroupé ces textes, bon, c'est d'une part parce que je les trouvais encore pertinents, mais c'est aussi parce que je pense que parmi les jeunes, et surtout parmi les jeunes qui découvrent le féminisme par l'université, il n'y a pas ce sens que ce sont les luttes féministes qui ont transformé les choses. Et que ce sont les luttes féministes qui ont permis, entre autres, qu'il existe des programmes féministes à l'université. Et donc ça, je pense que c'est important de rappeler le rapport entre... les luttes sociales et les transformations sociales. Et que ce n'est pas l'évolution naturelle des sociétés qui a fait en sorte que la situation sociale des femmes s'est transformée. C'est un des objectifs. Un deuxième objectif, c'était aussi de dire que, oui, il y a des choses qui ont changé, mais il y a encore... plein d'enjeux féministes qui sont tout à fait d'actualité, y compris dans des pays capitalistes avancés où on essaie de nous faire croire que l'égalité est déjà là et que ce qui persiste, c'est du résiduel qui va se résorber quand les personnes âgées de plus de 60 ans seront mortes et que tout le monde aura grandi dans un univers d'égalité des sexes. D'une certaine façon, je pense que on a un devoir de transmission, pas pour que les jeunes nous imitent, c'est leur situation et pas la nôtre, et leurs sujets de révolte sont pas exactement les nôtres, même si quelquefois ils peuvent se regrouper. Mais ça me semblait assez important de le rappeler. Étant donné que, quand même, je suis prof depuis, avec un statut de prof depuis 30 ans, ça fait quand même près de 40 ans que j'enseigne, et donc il me semble que c'est important de rappeler ça. Et ce que tu aussi soulignes, c'est le rapport théorie-pratique, ou théorie-militance, il me semble. Que tu... Oui, alors je pense que, bon... comme d'autres, je fais quand même de la théorie, mais ce qui me semble intéressant dans le féminisme, c'est que nous n'avons pas une grande théorie toute faite qu'il ne s'agit que d'appliquer. Et qu'il y a donc un rapport beaucoup plus mutuel entre théorie et pratique, c'est-à-dire qu'on réfléchit à des enjeux, on mène des luttes, ça fait émerger des nouveaux enjeux, ça amène à reconsidérer les enjeux qu'on avait problématisés d'une certaine façon, et puis on se rend compte à l'usage que ça ne tient pas toujours très bien la route, et puis bon, ce qui est normal, hein, je veux dire, c'est pas qu'on est incapable de faire de la théorie, c'est simplement que de la théorie sociale, ça ne surgit pas tout seul dans la tête d'une personne géniale. La théorie sociale, ça accompagne des luttes sociales, ça se nourrit des luttes sociales. Et même la théorie a un côté collectif. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que, même sur le plan théorique, on a beaucoup fonctionné en collectif. D'ailleurs, on a reçu Christine Barr il n'y a pas longtemps. Elle disait sur le livre... les féministes de la première vague et les féministes de la deuxième vague, et elle disait que ce qui caractérisait
les féministes, enfin le féminisme de la deuxième vague, c'était le travail théorique qui existait très peu en fait dans la première vague, d'une part, et d'autre part tous les enjeux autour du corps et de la sexualité. Sur les enjeux autour du corps et de la sexualité, je suis assez d'accord avec elle. Même si je ferai le même, je veux dire, il y a eu des discours féministes sur le corps et la sexualité dans la première vague, mais ils étaient marginaux, ils étaient aux marges du féminisme, comme Nelly Rousseau. Oui. Oui, oui, ou Madeleine Beltier, Emma Goldman, oui. Margaret Sargent, il y a eu. Mais c'était aux marges du... Et ce n'est pas passé à l'histoire nécessaire. C'est moins passé à l'histoire que la lutte pour le droit de vote, disons. Et il y a toujours une espèce de tri historique qui se fait. Et sur la théorie, je pense que il y en a eu aussi dans la première vague qui était une théorie collective. Je veux dire, si je regarde dans l'univers français, il y avait Maria de Rheim et tout le courant autour des droits, mais c'était un mouvement collectif, c'était la Ligue des droits des femmes et qui faisait de la réflexion. Il y avait Hubertine Auclert qui fonctionnait aussi en collectif, il y avait Marguerite Durand, elle produisait de la théorie, elle produisait de la théorie qui, contrairement à ce qui s'est passé avec la deuxième vague, étaient plus bricolées parce qu'elles avaient moins de moyens de produire de la théorie. Ce n'était pas parce qu'elles étaient moins intelligentes que nous, quand même, nous, on a eu des postes universitaires, des postes au CNRS, on a eu des lieux plus... y a eu des lieux qui ont permis de faire reconnaître, et encore très imparfaitement, la théorie qu'on produisait comme étant de la théorie. Alors, ça, je dois dire que je ne serais pas tout à fait d'accord avec Christine sur ça. Je pense qu'il y a eu de la théorie avec des femmes qui n'avaient pas eu accès au même parcours scolaire formel et au même poste reconnu dans les institutions de production du savoir. C'est une chance qu'on a maintenant, mais je pense aussi qu'il faut... accorder de l'importance à la théorie qui se produit par des femmes qui ne bénéficient pas de cet imprimatur de l'institution. Parce qu'il y en a aussi des recherches militantes. En fait. Oui. Et que cette recherche militante, après tout, elle nous est fort utile à nous qui sommes dans des institutions reconnues et qui donne un brevet de peut faire de la théorie. Oui. C'était de la théorie située aussi, c'est très 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 intéressant. Il y a aussi, c'est très corrosif, les textes d'Hubertine Auclert, il y a une grande force. Donc c'est magnifique, c'est vrai qu'il ne faut pas considérer que c'est athéorique. Prenez par exemple Sojourner Truth. Ça, c'est vraiment un cas extrême. Une femme analphabète, une noire militante anti-esclavagiste et ensuite militante féministe, et les deux liées, aux États-Unis au 19e siècle, qui prononce un discours qui a des implications théoriques fort importantes. C'est au congrès féministe de Akron, Ohio. Et elle prononce son fameux discours « Anti a woman, ne suis-je pas une femme ?» pour déconstruire justement l'image de la féminité comme faible, etc., en disant « j'ai bossé au champ, je me suis battue, il n'y a personne qui me donne la main pour franchir un fossé, je me revendique quand même d'être une femme. » Donc il y a tout un, elle n'exprime pas comme nous on l'exprimerait la déconstruction de la notion de la féminité, mais en pratique c'est ce qu'elle fait et elle le fait très fortement, quoi. Oui, ça,
Et bon, il y a un côté ironique sur le fait que on a ce discours par des transcriptions que des femmes alphabétisées ont fait à l'époque, mais c'est un texte qui n'a jamais été écrit pour la raison qu'elle était illettrée. Alors peut-être pour terminer, tu as déjà un petit peu abordé, mais les enjeux actuels en fait du féminisme dans une situation donc, de plus en plus dure, de précarisation, de pauvreté, en particulier pour les femmes, de privatisation, d'enjeux féministes ramenés à la famille. Alors, on a bien vu avec le nouveau ministre de la famille, de l'enfant et de la dépolitisation des rapports sociaux, etc. Comment tu conclurais, enfin conclurais pour l'instant disons, mais où est-ce qu'on en est, vers quoi tu as un petit peu répondu déjà, mais où est-ce qu'on en est? Il y a eu une période, je dirais, de transformation positive de la situation des femmes dans les sociétés capitalistes avancées. Et alors, je veux dire, dans ce qu'on pourrait appeler rétrospectivement la deuxième phase de l'État-providence. Et à l'heure actuelle, on assiste à une remise en cause de certains aspects, entre autres tout l'aspect de prise en charge des personnes vulnérables par des services publics plutôt que par des institutions privées comme la famille. Il y a une détérioration des conditions des salariés partout sur la planète, y compris dans nos pays, avec la précarisation du travail, la flexibilisation du travail, celle qui trinque beaucoup, c'est beaucoup plus, c'est les femmes, parce qu'elles étaient dans des emplois du secteur public qui sont largement dévalorisées, disqualifiées socialement de plus en plus mal payées et avec des conditions de travail de plus en plus précaires et en devant faire, à trois la job qu'auparavant 10 personnes faisaient dans un contexte de mépris social épouvantable et en devant en plus s'occuper de leurs gamins, de leurs parents, de leur mari, donc même quelqu'un qui pourrait s'occuper de lui-même ou d'autres personnes vulnérables, malades, etc. Donc, il y a une dégradation profonde au niveau du travail. Il y a aussi, moi je pense qu'on a beaucoup de choses à faire au niveau des lois de l'immigration, qui sont profondément sexistes. Ce qui est privilégié dans tous les pays occidentaux, c'est l'immigration économique profitable pour les entreprises et l'immigration économique profitable, c'est surtout des hommes qui sont sélectionnés et les femmes viennent comme regroupement familial avec un moindre accès à l'emploi, aux services publics et aux politiques sociales. Enfin, chez nous, c'est comme ça. Je pense que c'est assez semblable ici. Et elle se retrouve souvent dans les emplois les plus mal du coup elle se retrouve souvent dans les emplois les plus mal payés à la limite de la légalisation. Bon, nous on a moins un problème d'immigration à statut illégal que chez vous parce que trois océans et les États-Unis c'est une situation géographique assez bonne pour pour se protéger de l'immigration illégale. On en a, mais disons pas à l'échelle où ça existe ici. Il y a toute la question de je pense que
les droits reproductifs sont remis en cause un peu partout et c'est pas uniquement la contraception, l'avortement, mais c'est toute une bon, chez nous les femmes autochtones et les femmes racisées se voient très souvent retirer leurs enfants par la DPJ sous prétexte la protection de la jeunesse sous prétexte que elle les élèverait mal. Ça fait, à mon avis, aussi partie des droits reproductifs que de leur permettre d'élever les enfants qu'elles veulent élever. Il y a eu aussi chez les autochtones des pratiques de stérilisation forcée, bon, des trucs comme ça. Alors, enfin, à mon avis, sur ça aussi, il y a des enjeux actuels qui varient d'un pays à l'autre, mais. Il me semble que c'est ça, que si on veut militer comme féministe, il y a beaucoup de points d'entrée et de causes dont on peut se saisir. Le travail n'a pas été tout fait. Il y a des inégalités liées à la sexualité ou à l'identification sexuelle, ne serait-ce que la catégorisation des identités en masculin et féminin. Donc, bref, les terrains sont multiples. Oui, mais quand tu parlais tout à l'heure de coalition, hein, et justement de dialogue, je veux dire, est-ce que dans des situations de précarisation et de... tout ce que tu as dit, est-ce que justement la question des femmes, mais les enjeux féministes, c'est-à-dire l'entrée féministe d'une réflexion sur les rapports sociaux, etc., ne devient pas secondaire, enfin, pour beaucoup de secteurs de lutte. Ben, moi, je pense que... C'est difficile, ce dialogue, peut-être. Plus difficile maintenant, non ? Je ne pense pas. Je pense qu'il... Bon, je veux dire, là, j'ai mentionné quelques exemples qui disent que si on veut mener une lutte féministe, il y a plein d'enjeux dont on peut s'emparer. Il y a des enjeux... on n'est pas les seuls, et c'est peut-être pas pour les mêmes raisons, mais il y en a d'autres aussi qui luttent pour le maintien de protection sociale. Bon, on peut s'allier avec toutes les personnes qui luttent pour le maintien des protections sociales publiques, universelles, accessibles, etc. Et sur ça, on peut aimer le faire, pas en disant... vive le service public et l'État-providence, mais le faire en tant que féministe et avec une plateforme revendicative qui met en évidence la dimension des rapports sociaux de sexe dans cet enjeu-là. Donc, je ne pense pas qu'on ait à abdiquer de notre féminisme dans des coalitions. Je veux dire, passer les choses sous le tapis au nom de l'unité, il ne faut pas se surprendre qu'à un moment donné, on s'enfarge dans la bosse qui a été créée en empilant sous le tapis, quoi. Je pense qu'il faut le faire en tant que féministe. Et notre façon féministe de lutter contre l'austérité néolibérale n'est pas la même que la façon syndicale de lutter contre l'austérité néolibérale, même si, dans certaines circonstances, on peut lutter ensemble. Oui, c'est l'histoire d'alliance. Oui. Et bon, de toute façon, pour qu'il y ait alliance, il faut quand même qu'il y ait une force. Il faut qu'il y ait une force et il faut qu'il y ait une reconnaissance mutuelle des partenaires. Ouais, alors le problème, ici, on a un peu de mal avec les alliances. Parce que chacun est un peu dans son coin et il y a un peu de mal, quoi. Et fut une époque où on parlait de lutte... prioritaire, de lutte secondaire. Et là, c'est plus possible. Donc, effectivement, le problème des alliances est important. Mais à condition qu'il y ait vraiment un rapport de force. Parce que sinon, on s'est écrasé. Oui, je suis d'accord.
C'est vrai qu'au Québec, de ce point de vue-là, la situation, les résultats des luttes, c'est une autre chose, mais il me semble que la pratique des coalitions est plus ancienne. Oui. Et donc la capacité de faire des alliances où un partenaire n'a pas à s'écraser devant les autres est plus forte. Je vais souvent ici, mais je n'y suis pas restée assez longtemps depuis un certain temps, et donc j'aurai de la difficulté à me prononcer sur la faisabilité de coalition ou d'alliance ici et autour de quoi. Je pense qu'on parle bien des situations dans lesquelles on est inséré, et bon, là, ça peut bien faire 7-8 ans que je n'ai pas fait de séjour prolongé ici, et donc je ne me suis pas insérée dans des situations. Je ne me prononcerai pas, mais je dirais que nous, la façon dont on fonctionne, c'est comme ça. Mais en balayant pas les enjeux féministes sous le tapis au nom de la solidarité. Et en fonctionnant sur l'idée de la non-hiérarchisation des enjeux. Déjà, ça a été un débat dans le féminisme. Je veux dire que on n'a pas à choisir entre les femmes battues et l'avortement. L'idée que celles qui estiment que leur priorité c'est la violence domestique, elles s'investissent là-dedans, et celles qui estiment que leur priorité c'est l'avortement, elles s'investissent là-dedans, et que quand on peut collaborer ensemble, on va collaborer ensemble. Ça, c'est un truc qui est dans le féminisme, est allé de soi plus ou moins depuis le milieu des années 70 au Québec. Donc ça, déjà, on avait cet acquis-là. Et deuxième acquis, il me semble... Michel, tu as des problèmes avec ton téléphone. J'ai cru les temps, mais... mais par ailleurs, il me semble que... quand il y a eu la marche du pain et des roses, la marche mondiale des femmes, ce travail en coalition s'est aussi fait. Et il y a eu ensuite, en parallèle avec la marche du pain et des roses, toute la coalition pour un Québec sans pauvreté, donc qui soulevait des enjeux similaires et qui permettait de travailler égalitairement. Là, il y a cette coalition opposée à la tarification des services publics. Il y a, le Forum social mondial qui s'en vient au Québec. Donc, il y a plusieurs terrains sur lesquels on peut appliquer à la fois le principe de coalition et le principe de non-hiérarchisation des enjeux. Mais ça nécessite un travail de construction politique de la coalition et d'imposition de l'égalité des partenaires, malgré les moyens différenciés. Et ça, entre autres avec les syndicats, c'est toujours à recommencer. Oui. Est-ce que tu veux compléter quelque chose, ou je pense que... Non, il y a encore... retenir les gens trop longtemps. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais à lire aussi, merci, surtout. Ouais. Vous verrez qu'il y a pas mal d'autres choses aussi dans ton livre, de questionnements, mais aussi d'analyses assez claires, je trouve. Donc, vous le trouverez en bas. Il y a aussi quelques livres auxquels Diane Lamoureux a participé, a coordonné ou a écrit, mais quelquefois il n'en reste qu'un exemplaire, donc il y en a peut-être qu'on n'a plus. Et puis je vais annoncer la prochaine rencontre, donc qui est une rencontre avec Eliane Viennot mercredi prochain, sur le troisième tome de La France, les femmes et le pouvoir. Et cette fois-ci, elle part de 1789 jusqu'en 1804. Et il est sous-titré « Et la modernité fut masculine ». Donc ça, c'est mercredi prochain.
Et vendredi de la semaine prochaine, le 20 mai, alors depuis cette année, depuis, je pense que c'est la deuxième fois, en GAG, qui est un magazine en ligne LGBT, nous a proposé une sorte de partenariat, j'aime pas le mot, mais disons, enfin en tout cas une collaboration, où ils invitent quelqu'un, un auteur, une autrice, qui vient présenter un livre ici, et c'est eux qui prennent en charge l'animation de la rencontre. Donc le prochain, c'est Yann Brossa, qui a écrit L'espion et l'enfant, sur son... Alors, qui est communiste, qui est gay, et qui a eu un grand-père accusé d'espionnage par le gouvernement israélien. Et donc, voilà, de son enfance avec sa relation d'enfant avec ce grand-père. Et il fait le lien, avec lui, sa position en tant que gay et politique gay, et sortant du placard entre guillemets. Voilà. Je continue. Hein. Vous avez l'air très, très attentive. Le samedi 21 mai, il y a un club de lecture qui se poursuit. Donc cette fois-ci, sur un livre de Marine Diagne qui s'appelle Autoportrait en verre. Donc ça se passe ici, c'est ouvert à tout le monde. La seule condition, c'est d'avoir lu le livre. Voilà. Et puis le 25 mai, il y a une rencontre avec Manon Labrie. Qui a écrit un essai qui s'appelle Riot Girls, chronique d'une révolution post-féministe, qui est parue chez Zone. Qui s'identifie d'ailleurs à la troisième vague. Et alors c'est un ton pas du tout universitaire, hein, même si c'est. J'ai commencé à lire, même si c'est issu de sa thèse. Mais bon, c'est un ton. Voilà. C'est bien. C'est très. Et ben, le 1er juin, on reçoit Léonora Miano pour la 5e ou 6e fois, je crois, qui prépare un recueil de texte, donc c'est pas un roman, c'est possible. Il s'appelle L'impératif transgressif. Voilà, bon, je m'arrête là. Et moi, je vous remercie d'être venue. Merci. Je voudrais quand même signaler, parce que c'est important, je crois qu'il est arrivé en bas, la réédition, enfin, du livre de Colette Guillaumin. Demain ? Non, demain. Il sera là demain. Donc, par les éditions X, Sexe-Race, c'est la pratique du pouvoir. Voilà. Il était épuisé depuis très longtemps. Donc, ça y est, il est enfin disponible. Merci. Merci beaucoup. Ah oui, il y aura une exposition, j'ai oublié, d'affiches militantes.